Oh! Ok. Bah. Oh, j'allais dire, merde! Oh non, il m'a tué! Oh, je me foutais de sa gueule! Non. Non, 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 non. Je crois que je vais me laisser mourir. Salut tout le monde! Ouais, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Sekiro! Oh merde! Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, je m'étais fait empoisonner, voilà. Par ce singe, il nous avait bien mis la misère. Non! Ah, je me suis fait choper! Comme je disais, il nous avait bien mis la misère. Et surtout, rappelez-vous. Oh merde, oh, il lâche une caisse, oui, il lâche une caisse, c'est rigolo ça. C'est rigolo ça. Hein, non. Là, non, faut sauter. Oh bah j'ai. C'est bon. Raté. Putain, j'arrive pas à le stunner. Hein. Allez, viens te battre. Raté. Ouais, je trouve qu'ils ont bien réussi à faire leur coup avec le singe là. Aou. Juste une boulette, ça suffira. Non. Raté. Ah, là, il a pas aimé. Bon, allez, un quart de sa vie. Non. Ah. Oh, j'ai pas vu venir celle-là. Non. Oh non. Non, il m'a chopé. C'est pas grave. La caméra. La caméra. Merci. Donc la caméra déloque une fois qu'on est dans un mur. Hein. C'est normal. Bon. On va peut-être pas l'affronter maintenant. On va peut-être se barrer et... Comment ça? C'est de la lâcheté. Bah non. C'est juste que j'ai pas fini de visiter tout le niveau. Voyons. Là-bas, il y avait tous les singes. Est-ce qu'on peut sauter? Et aller là. C'était pas une bonne idée. On va se reposer. Ok. On y retourne. Alors, attendez. Normalement, on peut sauter là. Ensuite, on saute là. Ensuite, on saute là. Là, on récupère quelque chose. Une balle Mibu. Et ensuite, je fais quoi maintenant? Ah là. Hop là. Facile. Facile. Oh, il y a une biche qui est en train de crever là. Oh là là. Ah, ça a pas l'air sympa comme endroit, hein, franchement. Bah. Oh, un singe blanc! Ok, il m'a donné de la poudre à canon. Qu'est-ce que je fais là? Et qu'un peut me dire pourquoi je suis là? Vous avez vu comme moi? Il a un peu traversé le mur. Et là, on a un marchand. Voulez-vous encore? Où vous trouverez les mêmes en des lieux d'aller? Qu'est-ce qu'on peut acheter? La poudre? Une gourde verte? Hey, les gouttes se remplissent quand... Ouais, elle réduit le niveau de poison accumulé dans le corps. C'est pas mal, moi j'aime bien les gourdes. 1800, on disait. Hein. 500, 1000. Ah, il me reste plus que 2. Allez, va pour 1000. Va pour 1800. De toute façon, c'est pour ça que je garde de la thune. Hein.
Ah, on peut lui parler? Attendez. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Hey, vous là, n'entrez pas dans cette grotte là-bas. Ah bon, et pourquoi? Il y a à l'intérieur un vieil hôtel où réside le dieu serpent. Et si le dieu serpent vous avale, vous ne pourrez plus acheter d'offrande, n'est-ce pas? Ok. Du coup, quand quelqu'un nous dit n'entrez pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on entre. Normal. C'est qui ce dieu serpent? Ah, vous êtes qui, vous? Foutu les boules. C'est ça un dieu serpent? Mais ça c'est un lézard. Deux lézards. En plus ça me redonne de la vie, c'est cool. Ou alors ça m'empoisonne, ça tombe bien. Heureusement que j'ai acheté la gourde. Elle est où cette gourde? Ah. Il a le dieu serpent? C'est un serpent, ça, je le reconnais. Bon, je vais peut-être utiliser un truc pour me soigner quand même, parce que... Voilà. Un petit peu de gourde. J'ai juste une idée. Je sais pas si elle est bonne. Ah, ça passe. C'est ça. Oh, ce serpent. La la la. La 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 la. La la la. Merde. Oh, il va pas aimer. Ah bah ben non, mais là là, bah oui, je comprends que tu sois un peu en colère hein, mais ah non, il est un peu en colère hein. Ça se comprend. Oh merde. Oh merde. Oh bah alors là, là c'est pas bon là. Oh la vache. Ce que je prends dans la gueule. Hop. Une petite potion d'antidote. Merde. Allez, tu veux. T'as réussi une fois. Voilà. Il y a plein de serpents qui m'en veulent. Enfin, de serpents. De lézards. Ça y est, je suis perdu entre serpent et lézard. Elle est où la tête-tête? Il est où le cucu? Ah. Ah. Alors, on va réfléchir. Coucou. J'ai l'impression d'entendre un singe. Est-ce que je peux aller par là? Oh non, non, là j'avais réussi. Oh, c'est bon. J'entends un singe. Mais c'est vraiment un singe en fait. Qu'est-ce que je fais là? Non, 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 non. C'est la fin. Ah, trop drôle. Bonjour. Le serpent, il a senti que j'étais là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas y aller.
Mais quand on me dit qu'il faut pas y aller, moi je vais y aller. C'est sûr. Faut pas dire à un galet que c'est impossible. Surtout dans un jeu vidéo. Peu là. Bon, on va aller voir un endroit qu'on n'a pas été voir encore. Oui, non, tu m'as toujours pas vu, toi. Derrière toi! Merci. T'as toujours ce corbeau qui. Oh, c'est peut-être un passage secret. Non. Non, c'est pas un passage secret. Ça saurait. Alors, si je vais là et je vais là. Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Je vais essayer de sauter, voir. Oh, ça passe. Là, ça passe. Oh, mais il y a plein de singes. Non, 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 non. Oh, oh, oh. Eh, mais il se défend bien, ce con. Oh, oh. C'est pas toi que je voulais. Mais ça me fera de la vie. Oh, 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 oh. Oh, pardon. Oh, la vache. Oh, la violence du singe, ici. Bon, attends, toi, déjà. Voilà. C'est un combat entre lui et moi. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qui c'est qui m'a tiré là-dessus? Oh putain! Alors on va faire gaffe. Oh non, canon! Ok. Est-ce que je peux sauter là-bas? Non. Hop là. Alors faites gaffe au canon. Putain, mais ils sont balèzes ces singes en fait. Pouah. C'est de la triche, hein, monsieur l'arbitre. Non, qu'est-ce que tu fais, galé? Putain, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Bon. Allez, on se relève. Rien à foutre. Bouffe ça. Et c'est bon. C'est bon, lui, on n'en parle plus. Ah, viens de battre. Raté. Attendez, attendez. Raté. On a une gourde pour ça. Il faut aller chercher. Allez. À la cour. Tout ça pour une petite bourse. Oh. Un truc de mercure. Ah bah attendez, mais si on peut marcher dans le... Oh! J'arrive, hein. T'inquiète pas, je suis à toi, je suis là pour te tuer. Ça marche trop bien cette gourde, en fait c'est en prévision. Une boule de mibu. Ou mibou. Là là là, on en a plus rien à foutre, du poison. Ah, quand même, hein. Quand même un peu. Bon alors, cette histoire de serpent. J'ai une pièce. En même temps, il rapporte pas beaucoup, hein.
cette histoire de serpent. Parce que ça me titille, hein. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on aille faire là-bas. Mais je m'en fous de vous. Voilà. Bah d'accord. Tu peux pas esquiver pire que ça. Ninja. Ninja. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, d'accord. Ouf. C'est qu'un fantôme. On en était là. Là, on fait ça. Là, il y a un singe. Est-ce qu'il faut faire ça? Pour ensuite se dissimuler, se barrer. Oh, je suis pas mort. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Réfléchis, galère, réfléchis. Il y a forcément un truc à faire. Réfléchis. Si je lui envoie un shuriken. Bon, il s'en branle. Il s'en branle clairement. Ah ah! Non, 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 non. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Je sais pas ce que je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut tuer le serpent avant? Bon, là-bas, il y a toujours le singe là, qui me casse les couilles. La vallée engloutie. J'ai une idée. Si on retourne là où il a cassé. Il n'y a qu'un serpent. J'espère qu'il n'y a qu'un serpent. Si on retourne là où il a cassé le pont. Là, voilà. Ah. Bon, au moins il n'est plus là. D'accord. Il n'y a pas d'écart. Je sais pas ce que je fais. Mais ça a l'air sympa. Ok, donc non, mon idée c'était de la merde, hein. Franchement, c'est pas ça qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut retourner au temple Senpo? Je sais pas, hein, je cherche là. Il a parlé d'un cerisier à un moment. J'ai pas vu le cerisier. Ah. Qu'est-ce à dire que ceci? Une cloche. Je suis perdu. Si quelqu'un a une idée de quoi je fous, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Si vous pouvez le dire en commentaire, ce serait vraiment sympa. Je m'en souviens vraiment pas. Par exemple, cette cloche-là. J'ai sonné à la cloche. C'est bien. La cinématique m'en dit beaucoup. Ah. Ah, on va peut-être m'expliquer maintenant. Qu'est-ce que je fous là? Oh, il a l'air tellement triste. Qu'est-ce que je fous là? Trois singes. L'un des panneaux est vierge. Bah, il a des lunettes.
Mais il lâche des caisses maintenant. Oh, putain. Une cloche de bronze à 5 pointes peut être utilisée à répétition. Quand on le fait sonner, l'état d'origine des singes et des loups est rétabli. Cependant, un singe pris dans le triptyque ne s'échappera pas, même si la cloche résonne. Excusez-moi, attendez, je viens de comp... Je viens d'arriver... Oh! Mon ami! Non, ça c'est pas vrai. Ce type, je sais qu'il a l'air un peu louche. C'est qui? Mais c'est un homme bon. C'est mon copain? Kotaro. Kotaro! Hein? Oh, c'est vous! Content de vous revoir. Regardez tout le monde. Le seigneur Shinobi est ici aussi. Ah, les enfants, accueillez-le bien. Hein? Ah, bien sûr. Vous ne pouvez pas les voir, hein? Les enfants de Jouvence. Oui. Vous ne pouvez pas les voir. Mais ils sont là. Ce sont des gamins adorables. En tout cas, il me faut vous remercier. Prenez cela. Elle augmente considérablement la récupération de posture pendant un temps limité. Merci. Merci mille fois. Puisque... Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Attendez, j'ai... C'est une illusion. Une illusion. Qu'est-ce qu'il y a? Les enfants aussi vous remercient. Ils sont si charmants. Waouh. Je suis tombé où là? Il y a de l'eau qui coule ici. Ouah, j'ai l'impression d'être dans un mauvais délire. Je suis pas fou, j'ai entendu un singe. Et qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Bon, je vais aller attaquer ce machin là-bas. Quitte à ne rien comprendre. Bonjour, il paraît qu'il y a... Un singe? Ouah. Eh, vous entendez comme moi, hein? Simple flamme dans le vent, quand elle s'éteint, tout est noir comme la suie. Je peux vraiment ouvrir ça? C'est pas une bonne idée, non? Pourquoi j'ouvrirais ça? Je suis en train de péter un câble. Une simple flamme. Brûle! C'est ma nouvelle attaque. C'est stylé, hein? Oh! Tiens, je sais pas, qu'est-ce que t'es? Je me disais bien que j'étais suivi. Ah, et là, on voyait le singe nous suivre. Je comprends rien. Je suis complètement taré. Je deviens fou. Quelqu'un m'a vu? J'arrive! La merde. Mais reviens! Oh merde!
Ah, je sais ce que vous que je fasse. Non mais reviens. Non mais... Putain, mais ils sont combien? Oh! Il est où ce singe? Je sais pas ce que je fais. Non, je m'en fous. Je m'en fous. Je poursuis ton pote là-bas. Ah! Je sais pas ce que je dois faire. Ok. On va arrêter les conneries. Voilà. Ok, là, je peux peut-être l'avoir. Merde. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je me suis trompé. Non. Vous n'êtes que des singes, de toute façon. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre moi? Et soit dit en passant, vous êtes que des singes fantômes. T'es qui, toi? On joue au chat et à la souris, c'est ça? J'ai pas quitté, mais tu meurs. Il a dû sauter. Je vois ses traces de pas. D'accord, il y a des singes à l'infini. Au moins, ça me donne des trucs. Ah, attendez, il y a un truc là. Un écrit. Dessous sont des abysses insondables. Dessus sont les ténèbres impénétrables. Ah, ça m'indique qu'il faut pas que j'aille en bas. Putain, il s'arrête pas. Hein. Ah, il m'énerve. Vous allez arrêter vos conneries, oui. Ah, ça me fait peur en plus. Raté. Ok. La cloche. À quoi elle sert la cloche déjà? Ok. Ouais, les enfants me remercient. Est-ce qu'il faut que j'arrive à aller dans son dos? Il va me voir. Ah, il ne me voit pas. Oh, il me voit pas. Il me voit pas. Tu vas périr dans ta chiasse. Ok. Ah, il doit rester plus qu'un singe. Hein. Alors, ouais, le... Non, mais je m'en fous. Oh non, pas la terreur. Non, pas la terreur. Non. Non, j'aime pas ça. Non, j'aime pas la terreur. Non, 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 non. La terreur, j'ai un truc contre ça. Ah, plus la terreur, j'ai plus peur.
Je m'en fous. Oh, il a failli me sauter dessus, lui. Alors, le dernier singe. Le dernier singe. Je cherche, hein. Je sais, cet épisode va durer un peu plus longtemps que les autres. Vu que je vais mettre 30 ans à trouver. Il doit être à gauche. J'entends à gauche, là. Qui me parle? Qui m'a vu? Ah, il est là, ok. Il regarde vers moi, ok. Donc pour l'avoir... Merde, il se doute de quelque chose. C'est bon. Non, non, reviens! Mais non, je veux être ton copain! Y'a pas une cloche là? Ça sert à quoi ça? Cette cloche est assourdissante. Si vous l'utilisez sans interruption, gare aux oreilles. Ah ah! Je l'ai eu! T'étais le dernier? Oh, je les ai eus! C'était un jeu. En fait, c'était un jeu de cache-cache. Ah, oh, c'était mignon. Oh, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. J'ai tué des singes innocents. Qui cherchaient juste à s'enfuir. Veuillez leur pardonner. Ah, et le singe invisible. Hein? Mais il semble que cela n'était pas écrit. Fermez les yeux. Retrouvons-nous au sanctuaire intérieur. Qui c'est qui parle? Je comprends rien. Je suis où? Souvenir singe triptyque. Souvenir d'une bataille avec un ennemi. Les puissances d'attaque peuvent augmenter de manière. Oh, un ninjutsu qui permet de contrôler la victime comme une marionnette. L'utiliser requiert des emblèmes spirituels. Activé après un coup mortel dans le dos. Cette technique force temporairement l'esprit d'une victime à rester dans son corps. La marionnette agit selon le bon vouloir de son maître, mais l'esprit ne peut rester indéfiniment. Oh, ça a l'air trop stylé! Oh, je vais faire ça. Marionnettiste. Après un coup mortel dans le dos, elle manipule la victime. Oh, pour qu'elle se batte avec nous. Allez au hall d'illusion. Il y a forcément un poisson dans cette eau. On va d'abord aller sauvegarder. Vous êtes qui, vous? Oh, mais j'ai eu plein de points d'XP. L'XP. Il y a forcément un poisson. Si vous me dites qu'il n'y a pas de poisson, c'est décidé, je me barre. Bon. Bon, on dirait qu'il n'y a pas de poisson. Écoutez, on va aller voir qu'est-ce que dit cet enfant. Vous êtes qui? Pourquoi cherchez-vous cet endroit? Je cherche la lame de la mort. Vous avez entendu parler de la lame qu'on ne peut dégainer? Oui. On l'appelle ainsi, car nul ne la dégaine et survit. Néanmoins, vous voulez essayer? Bah, je peux pas mourir. Très bien. Je vois. Très bien. Je peux pas mourir, donc bon. Dans un sens, elle me fait pas peur.
Si vous êtes préparé. Oh putain, la lame de la mort. Vous pouvez regarder la lame. Pensez qu'elle fait beaucoup plus de dégâts. À tous les coups, elle fait des dégâts. Beaucoup. Mais en contrepartie, on perd de la vie au fur et à mesure. Et je meurs. You die. Pourquoi donc, je me demande, ne craignent-ils pas la mort? C'est bon, je peux me résurrecter trois fois. Enfin, deux fois. Comment êtes-vous? C'est une longue histoire. Je te raconterai ça plus tard, petite. Je vois. Vous portez la malédiction de l'héritage du dragon. La lame de la mort. Sans hésitation. J'accepte son pouvoir. Est-ce que le jeu va devenir plus simple? Alors, un Odachi capable de tuer ceux qui ne peuvent pas mourir. Sa lame rouge prendra la vie de quiconque la dégaine. Hein? Elle a longtemps été cachée du temple Senpo. Nul ne peut maîtriser la lame de la mort sans pouvoir de résurrection. Dont des larmes. Je vois que vous servez l'héritier divin de l'héritage du dragon. Ouais, c'est ça. Oui. Pourquoi cherchez-vous la lame de la mort? Pour tuer. Je veux obtenir les larmes du dragon du royaume divin. Pour trancher les liens de l'immortalité. Je vois. J'ai lu des choses à ce sujet. J'ai lu qu'il y avait un moyen de rompre l'héritage du dragon. Ce qui signifie... L'héritier divin répugne au pouvoir de l'héritage du dragon. Ouais. C'est exact. Le destin peut être bien étrange. Je suis... l'un des enfants de l'eau de Jouvence. Conçu par ah bon ceux qui ne reculent devant rien pour obtenir l'immortalité. Mon faux sang de dragon a été créé par l'homme. Les enfants. Vous êtes donc plusieurs. Personne d'autre que moi n'a survécu à cette tentative. Les autres... repose ici. Je vois. Je ne sais pas s'il est bien de rompre les liens de l'immortalité, mais l'héritage du dragon corrompt indéniablement la vie des hommes. Et je partage les sentiments de l'héritier sur cette vérité. Shinobi de l'héritier divin, j'ai décidé de vous aider. Veuillez tendre votre main. Quoi? Laquelle? Et laissez-nous avec une récolte abondante. Du riz donné par l'enfant divin de l'eau de Jouvence restaure progressivement la vitalité pendant un temps. Bien qu'il ait été créé par l'homme, les enfants divins ont toujours le pouvoir de l'héritage du dragon. Le sang favorise une bonne récolte, le riz est précieux. Non seulement il restaure la vigueur, mais il devient de plus en plus doux au fur et à mesure qu'on le mâche. C'est du riz. Et voilà. Oh mon dieu, c'est du riz. Précieux. Plus vous en mangez, meilleur il est, et il rend de la vigueur. Mais c'est pas la vieille qui voulait du riz? Shinobi de l'héritier, vous êtes le bienvenu ici. Tiens, vas-y. Pour vous. Dis ça pour voir. On m'a dit de vous donner ceci. Merci. Je l'accepte. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais pas lire? À qui ceci appartenait. Je ne peux me résoudre à lui pardonner. Ah. Veuillez m'excuser. Le riz n'est pas prêt pour la récolte. Je vous en donnerai plus quand la récolte sera faite. Ok. Au revoir. Que les récoltes soient bonnes. Là. Merci madame. En tout cas le petit bonhomme il est bien. Putain, on a une lame. Ici quoi ça la lame? Sortie mortelle, un art de Shinobi accompli avec la lame de la mort. Coup des emmêtes spirituelles, l'épée jaillit vers l'avant et tronçonne les ennemis dans la traînée rouge. Une technique utilisant la lame qu'on ne dégaine pas n'est possible que pour les compétences liées à l'héritier divin. Mais ça a l'air trop bien. Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Je sais pas, mais ça a l'air très bien. On va tester. Ah non, on peut pas tester là. Attendez, on va... Je vais juste récupérer le chopeau magique. Attention! Mais c'est trop stylé. Par contre, ça utilise des emblèmes. Du coup, il nous faudra beaucoup d'emblèmes, je pense.
Ou alors il faut avoir les améliorations pour pouvoir transporter plus d'emblèmes. En tout cas, ça fait très très mal. Hein. Pfiou! Bon, où est-ce que j'en étais du coup? Mais du coup, il n'utilise pas la lame tout le temps. Ah, ça ouvre la porte vers ici. Ah ah! Meurs! Ah, et là, il meurt pour de vrai. Aou! Ok. Aou! Bon, je vais peut-être pas l'embêter, lui. En tout cas, très sympa. Eh bien, écoutez, hop, on va améliorer. Comment se passe ça? Les puissances d'attaque. Alors, à souvenir d'une bataille avec un ennemi rare et redoutable, tout ce qui reste à se souvenir, qui prouve la victoire de Lou. Léo, l'illusion se trouve à la frontière entre la vie et la mort. Les âmes des enfants divins s'y trouvent encore, prisonniers des corps des singes, du temple, et l'enfant divin continue de les appeler ses amis. En fait, on vient d'abattre les âmes des enfants divins. Ok. Tout ça pour de la puissance. Mais moi, je dis oui. Mais écoutez, je pense que je vais arrêter mon épisode ici. C'est déjà pas mal. Sur ce, moi je vous abandonne et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Bah, c'était pas mal, hein. Je l'ai bien abattu, ce con. Je peux le retuer? Non. C'est raté.